gens qui ne partagent pas votre avis. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont pour le nini. Que vous les comprenez, mais vous leur parlez. Mais c'est qu'ils sont plus dans le nini. Mais vous savez, un deuxième point de démocratie, c'est pas vrai, c'est pas la personne qui est plus proche, mais qui parle de choses qui sont pas très bonnes. Vous pouvez démentir un truc. Mais je sais, mais c'est des bêtises. Voilà. C'est des gens qui profèrent des fausses nouvelles, comme, comme hier, qui ont dit que j'avais un compte au Et comment on la répercute? Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, il n'y aura pas, ça, c'est pas vrai, de taxes de papier. Deuxième chose, la taxe d'habitation, 80% des Français, on la supprime. D'accord. C'est l'État qui payera avec ça. Et les collectivités, c'est l'État. Je ne la paye pas, parce que j'ai une autre manière de mettre. Mais monsieur, c'est l'État. Alors, l'État fait 60 milliards d'économies. Moi, je vais faire des économies. C'est pour ça que je vais pas renouveler certains postes de fonctionnaires, que je vais faire des économies sur certains secteurs, etc. Parce qu'on en a besoin. Ces 60 milliards d'économies, j'en affecterai 40 sur la baisse du déficit, 10 pour baisser les cotisations et l'impôt sur les sociétés, et 10 pour baisser la taxe d'habitation, pour enlever la taxe d'habitation. Et donc, les communes ne perdront pas d'argent, parce que c'est l'État qui compensera. Monsieur Macron, je voulais juste vous dire. Au mois d'août, on a fait pas. Revalorisation du SMIC et l'économie repart. Vous rappelez ou pas? Est-ce que vous rappelez? Vous rappelez? Et qui c'est qui a gagné? Qui c'est qui a gagné pas le pari? Pas faux. Qui c'est qui a gagné le pari? C'est un peu moi et c'est un peu vous. Alors écoutez-moi bien, je vous avais dit que vous étiez là pour mettre Hollande en place. Vous dites que non. J'espère que dans les 5 ans qui vont arriver, on va pouvoir dire que c'est vrai. Et moi j'aimerais, en tant que citoyenne, vous retrouver chaque année pour vous demander si c'est vrai ce que vous avez dit quand vous êtes passé à la télévision pour votre programme. C'est ça. Parce que nous, citoyennes, il n'y a que des journalistes autour. Et ça, ça nous énerve. Parce que les citoyens, on ne peut pas vous couper. Les journalistes sont dessus. Alors, on est alors du peuple, quoi. Je regrette de. Non, non, c'est pas leur faute. On en a besoin. Mais sitôt que vous vous déplacez, c'est ça. Or, à Biarritz, j'étais qu'avec vous, tous les deux. Votre femme est arrivée après, vous l'avez présentée. Et on a fait un pari. Et vous m'avez dit, je travaille que pour moi. Vous m'avez dit, je ne travaille pas pour monsieur Hollande. Alors, et vous avez raison, mais j'espère que le futur va nous le dire aussi, vu les gens qui vous entourent et qui veulent venir avec vous. Bonne visite. Mais je veux pas que ce soit un blasphème. Vous n'êtes pas élu déjà très parce que la VOA, c'est quand même quelque chose de fait par les ouvriers, avec l'aide de Jean Jaurès. Vous allez faire un discours de Jean Jaurès sur la place du Vigan. Ne faites pas un blasphème. J'ai failli le dire à monsieur Hollande en temps voulu. Je ne lui ai pas dit, mais à vous, je vous le dis, ne faites pas un blasphème. Là, il travaille. J'ai toujours tenu mes engagements. Mais seulement, il y a les Américains, là. Hein. Monsieur. Je sais, mais il y a la BPI aussi. Hein. Oui, mais il y a les Américains. Faites attention, et monsieur. Les gars de Vérandia pourront vous dire. Et puis, je vais vous dire autre chose. Il y a quelque chose la BPI a fait très attention. Il y a quelque chose que je n'ai pas trop entendu dans votre programme, c'est les énergies renouvelables. Et vous savez très bien qu'on en a besoin. Oui, mais vous savez très bien qu'on en a besoin. Que 52% des énergies renouvelables, c'est le photovoltaïque en Allemagne. En France, on est à peine en train de le développer. Parce qu'on a le nucléaire. Et nous, à Carmaux, ancienne ville de mineurs, ancienne ville de Jaurès, on est en train de développer le photovoltaïque. On a fait un cadastre solaire. On est la seule ville en France à faire un cadastre et à développer le photovoltaïque sur tous nos bâtiments municipaux. Et on est en train de s'adresser aux citoyens pour qu'ils viennent intégrer cette coopérative, une coopérative citoyenne pour développer le photovoltaïque. Vous n'êtes pas élu déjà. Monsieur Macron, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas élu.
Monsieur Macron.